Bienvenue sur ma chaîne PixelCoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, bonjour à toi. Très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une, une extension de la vidéo que j'ai faite hier, euh, parce que tu dois te poser des questions. Tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir sur le marché des crypto Mais pourquoi on bouffe moins 15%, moins 20% et tout? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé le coupable. Et le coupable, il s'appelle euh, DXY. D'accord? Donc, en fait, dans cette vidéo, tu vas apprendre un nouveau concept qui s'appelle la rotation des capitaux. Et tu vas comprendre pourquoi DXY a une importance comme ça et pourquoi en dépend euh, l'avenir de, de Bitcoin. Donc, dans cette vidéo à la fin tu vas pouvoir déterminer un petit peu tu vas pouvoir te projeter sur qu'est ce qu'on va pouvoir euh, qu'est ce qu'on va pouvoir éventuellement voir sur Bitcoin dans les prochaines semaines ok donc qu'est ce que c'est DXY DXY c'est un indice contre un panier de six autres indices Je sais pas, par exemple tu vois bitcoin ici c'est une paire tu vends ton BTC pour euh, pour le vendre contre de l'USDT d'accord c'est ce qu'on appelle une paire et eh bien dxy c'est un indice le dollar euh, le dollar américain contre un panier de six autres indices c'est comme si tu vendais euh, ton BTC contre euh, de l'USDT, de l'USDC euh, et je sais pas quoi, et six autres paires, d'accord Et ça donne un rapport de force. ok Donc DXY, c'est le rapport de force du dollar contre 6 autres monnaies internationales, dont l'euro, la livre sterling et j'en passe. Okay Autrement dit, quand le DXY monte comme ça, ça veut dire que le dollar index est fort, le dollar. Et quand il baisse, ça veut dire qu'il est, euh, il est, il est fragile, il est faible. Alors il peut baisser pour plusieurs raisons. L'inflation en fait partie, les crises macroéconomiques, la géopolitique et tout ça. Okay, bon. Maintenant que tu comprends bien ça, on va commencer à, à voir un petit peu. Pourquoi DXY a une importance sur Bitcoin De dire mais il me prend la tête avec DXY, Qu'est-ce que c'est que ce truc Non non, reste jusqu'à la fin. Tu, tu vas voir, c'est très simple en fin de compte. Euh, le, le point de départ de notre analyse technique, ça va être ça. Tu vois. Alors, déjà, on va tracer cette droite là. Je l'ai pas tracée euh, au hasard. Ici, tu remarqueras, tu remarqueras qu'ici, précisément ici, c'était le, le bottom sur euh, Bitcoin, d'accord, ultime en 2020. Et ici, c'était le top sur le dollar index. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu sur, euh, sur le, le dollar index euh, je vais te prendre mon, ma petite flèche, j'aime bien, voilà. On a eu euh, une tendance baissière, d'accord, sur dollar index. A contrario, on a eu une forte tendance haussière sur bitcoin. Pourquoi Parce qu'en fait, dollar index représente des milliards, enfin des centaines de milliards, c'est colossaux, d'accord. Et une partie des capitaux du dollar index sont partis dans le bitcoin. Ils sont peut-être partis sur l'or, ils sont partis sur des actions, j'en sais rien. Mais en tout cas, une partie... A été capté par Bitcoin et c'est pour ça qu'on a eu une tendance haussière sur Bitcoin. Les capitaux ne tombent pas du ciel. Quand tu tes courbes qui montent, c'est parce que tu as de l'argent qui arrive sur Bitcoin et cet argent, il vient bien de quelque part. Et donc, quand tu arrives à analyser les, les différents indices, tu peux savoir d'où vient cet argent. D'accord Donc, ici, très intéressant. Tu peux même faire de, de l'analyse technique en fait sur ton dollar index et puis euh, grâce à ça, euh, te projeter sur ce qui peut se passer sur. Euh, ah Désolé alors j'ai trop tracé ma ma pattern ici, tu vois, on avait un petit W ici. Donc tu peux tracer des, des, des structures sur euh, sur tes sur de l'index et tu verras que ça peut t'aider en fait à faire des analyses techniques sur Bitcoin. Ici par exemple, je te l'ai pas mise au hasard, mais ici tu avais ton M top sur, sur Bitcoin, tu vois. Eh bien, si tu regardes, quand on a cassé en fait la neckline du W ici, précisément sur ces niveaux-là, là, et qu'on s'en est extrait, c'est ici en fait qu'on a eu euh, qu'on a eu notre deuxième top en fait sur sur Bitcoin, tu vois. Donc les deux paires sont fortement corrélées. Dollar index est corrélé à Bitcoin et vice versa. Ok. Ensuite, on est suivi euh, une tendance haussière sur Dollar index. Ok. Et s'en est suivi une tendance fortement baissière sur le, le, le Bitcoin. Donc, tu vois, déjà, on, a, on arrive à avoir nos deux tendances ici, notre retournement long terme. Puis ensuite, on a eu euh, le rallye. Et puis ensuite, on a eu. Bah, je l'avais topé. Je sais pas si tu me suis depuis un an ou deux. Je sais pas. Mais je, je t'avais euh, expliqué ça. Euh, sur ma chaîne YouTube je t'avais donné le top ultime ici là sur Bitcoin par ici parce que j'avais vu ce, ce retournement sur le dollar index j'avais fait une vidéo en te disant qu'ici ça, ça sortait la merde et tout et que sur Bitcoin c'était une excellente nouvelle ok donc ici bon bah on a eu notre top sur dollar index on a eu notre bottom sur, euh, sur Bitcoin et ensuite on a eu notre alli haussier. Et sur euh, sur bitcoin et ensuite on a eu bah, notre tendance baissière sur euh, sur de l'index ok donc là déjà bon tu as une vue un petit peu en, en weekly de ce qui se passe et de ces deux paires maintenant que tu as compris ça on va aller euh, on va aller voir un petit peu plus, plus près sur des unités sur des unités temps plus petites pour que tu puisses vraiment voir les, les mouvements euh, en, en daily ou ce genre de truc, d'accord Donc ici, tu vois, très intéressant, on va prendre notre droite ici, et puis on va venir la, la mettre ici, par exemple, le 14 mars, ok On va regarder ce qui s'est passé ici le 14 mars, et tu remarques, hop, le 14 mars, ça coïncide ici. Donc tu vois, ce, ce mouvement baissier là, euh, c'est parce qu'en fait, on a, eu une, on a eu une reprise assez forte sur le dollar index. Donc certains se sont dit, bon... Euh, il est intéressant de prendre des profits sur Bitcoin pour aller les mettre sur euh, Dollar Index parce que Dollar Index, lui, il nous fait des structures qui sont quand même intéressantes. Okay il nous fait du W, etc. Euh, tu, tu, tu peux même prendre le, 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 le top ici, c'était le euh, 14 février. Qu'est-ce qu'on avait sur le 14 février On va aller voir. Tac, 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 tac. On va descendre. Tu vois, on a eu ça. Donc en fait, ici. Quand le dollar index en fait a perdu de la valeur, bah, c'est là que Bitcoin a fait un rallye. Okay. Euh, voilà. Donc tu, tu vois bien que les deux sont corrélés et ça te permet comme ça de de voir que les capitaux passent de l'un à l'autre. D'accord. Donc si tu veux, pourquoi on a ces cette correction, pourquoi on a ces mouvements baissiers. Bah, c'est parce que c'est parce que lui il est en surachat d'accord et que lui il est en survente et que c'était intéressant pour certains de prendre des profits sur Bitcoin pour aller les mettre sur Dollar Index et pour euh, pour jongler comme ça parce que eux quand ils passent euh, de, de quand ils prennent des centaines de millions pour les transférer sur un autre actif eh bien c'est potentiellement d'autres centaines de millions qui vont qui vont qui vont générer sur ces actifs là OK Donc euh, si on fait l'analyse technique donc du coup je vais virer les deux les deux autres droites qu'est-ce qui se passe précisément maintenant c'est ça qui t'intéresse oui d'accord c'est intéressant ce que tu me dis mais euh, concrètement je comprends pas qu'est-ce qui va se passer Mais ben, c'est simple Ici, tu vois qu'on a un triangle de compression sur le dollar index. Je suis tout tracé, donc on a ces deux droites. Donc tu prends deux points, tu les traces comme ça, et là, ça te donne un petit triangle de compression. Ok euh, Alors, plusieurs choses. Je dirais que c'est Là, à première vue, c'est quand même assez boule de voir un RSI comme ça qui se reprend, qui, qui, qui a un momentum assez fort comme ça. Tu remarqueras qu'il rebondit à chaque fois et qu'il qu est croissant. Euh, ça laisse sous-entendre que, que le dollar reprend quand même du, du momentum. Ici, on est dans un triangle de compression. Ce qu'on n'aimerait pas voir, tu comprends bien, c'est une reprise haussière du dollar index. Ce serait pas forcément très bon pour nos crypto-monnaies. Si par, par, par exemple, je sais pas, euh, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, qu'on fait un pullback et qu'on vient, euh, qu vient break le niveau ici. Je te le dis tout de suite, on risque de pisser le, le, pisser le sang sur le marché des crypto C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Je t'en parle dans cette vidéo. C'est quelque chose qu'on va suivre sur les prochaines semaines. Bien que on puisse aussi, euh, et pour l'instant ça a l'air d'être le cas, on pourrait très bien euh, rester coincé sous cette trendline. Et revenir euh, chercher le, 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 le bas de celle-ci, pourrait se poser dessus, hop, et puis la break, et là ce serait excellent pour notre Bitcoin, puisque là si on a ça, alors on aurait un rallye, euh, on aurait un gros rallye euh, sur, sur Bitcoin, on irait chercher un, un nouvel ATH, etc. On pourrait même euh, faire un, 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 ce qu'on appelle un fake out, c'est-à-dire on pourrait break le, le W comme ça, et puis euh, puis euh, revenir chercher plus bas, ok Donc c'est difficile parce que là tu comprends c'est de la spéculation. Tout ce qu'on sait c'est que on a une contraction ici. On ne sait, sait pas dans quel sens elle va, elle va résoudre. Euh, tu vois, par exemple, ici, j'ai une news. Wall Street attendu en baisse avant la Fed, etc. Donc, il y a des news échos qui vont, qui vont participer à cette histoire-là. Euh, ceci dit, malgré qu'on ait un RSI en, en bonne forme, ici, on contracte sur MacD. Tu vois, il y a quand même du volume à l'achat. Donc. Euh, Vu, vu ce qu'on est en train de bouffer sur Bitcoin, peut-être que certains se disent que c'est intéressant de, de repasser sur Bitcoin, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, il faut surveiller ce, ce triangle-là. Euh, on ne va pas voir l'avenir. On ne fait pas ça sur cette chaîne. On, on l'analyse technique, c'est vraiment une photographie, un instant T, et on regarde ce qui se passe. Il faut s'imaginer, est-ce qu'une voiture qui roule à 150 km/h sur l'autoroute, tu sais qu'elle roule à 150 km/h, tu sais que potentiellement elle va se faire flasher bah, C'est un peu pareil, en fait. Euh, c'est une métaphore. Mais l'analyse technique te permet, en fait, comme ça, de capter des mouvements à un instant à un instant T, et si une voiture accélère sur l'autoroute, bah, tu peux potentiellement te dire qu'elle va continuer à accélérer. C'est bizarre comme métaphore, mais c'est vraiment ça l'analyse technique, d'accord Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelque chose qui accélère, on a une dynamique qui est plutôt forte, mais on est coincé dans un triangle comme ça, et on commence à voir un volume, je dirais, euh, décroissant sur MacD. Donc c'est une, euh, une compression qui va se résoudre, et celle-ci va déterminer probablement l'avenir sur, euh, sur Bitcoin, ça aura un impact, d'accord euh, voilà euh, on a alors après on pourrait même descendre dans les IT, euh, après la vidéo risque d'être un peu longue mais euh, il va falloir surveiller ça tu vois ici on voit bien le, le W qui s'est formé on a vraiment eu la structure sur le dollar index donc euh, c'est ça le, le bazar euh, mon pinceau donc, on a le petit W, on a la cassure de la neckline, on a eu le pullback, ensuite on est reparti s'extraire, et ici on est en surachat. On est en surachat, donc euh, voilà. Il ne faudrait pas y rester trop longtemps, il faudrait qu'on commence à diverger. Ça a l'air d'être le cas, ici on diverge. Euh, donc, ce serait, ce serait bien. Ce serait quand même bien qu'on essaie de taper la, la trendline pour venir euh, pour revenir chercher plus bas. Ok euh, Voilà. J'espère que tu as appris un nouveau concept. J'espère que ça t'a plu. Euh, C'est très difficile pour moi de, de faire des vidéos qui sont synthétiques, courtes. Mais dans lesquels tu pourrais comprendre un concept en 10 minutes. Parce que c'est franchement des concepts que j'ai mis des années à comprendre. Donc si les vidéos te plaisent, abonne-toi. Moi, ça, ça m'encourage à te faire d'autres vidéos, à te partager d'autres contenus. Mets un pouce, je ne sais pas, mets un commentaire, pose-moi des questions. Euh, et puis sinon, rejoins-moi sur Twitter. Allez, je te souhaite de passer une bonne journée. Courage. C'est un mauvais moment à passer, mais euh, toutes les tempêtes finissent par, euh, par se terminer. Allez, ciao!